Et salut tout le monde, c'est Croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui, on est le vendredi 10 mai. J'ai travaillé aujourd'hui. Et donc là, j'ai terminé le travail. Il est assez tard. Bon, c'est pas grave. Je vous propose aujourd'hui cette vidéo qui sortira samedi ou dimanche. Hein, je ne sais pas encore. Ça dépend si j'ai le temps, du coup, de faire le montage et l'upload assez rapidement. Du coup, aujourd'hui, vidéo achat avec pas mal d'achats dans divers endroits. J'ai du eBay, j'ai du Amazon France, Amazon Espagne, donc avec des imports avec français. J'ai un achat fait sur le site Le Chat qui Fume que je vous ai présenté en vidéo short, mais bon, je vous l'ai présenté aussi en vidéo classique. J'ai du Rakuten, j'ai du Vinted également. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc pas mal aussi d'imports, hein. C'est vrai que là, je me suis remis un petit peu. J'en ai acheté quelques-uns. Donc avec VF, je trouve ça plutôt intéressant les achats imports avec VF et de savoir quels films on peut trouver ailleurs avec du français qui n'est pas disponible en France. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. Et puis bah, c'est que du Blu-ray et puis un peu de 4K, donc voilà, plus classique on va dire, mais ouais, sur différents achats. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage. C'est parti, let's go! Nous commençons donc avec l'achat sur Rakuten. Bah, j'ai un peu de chance hein, parce que je l'ai acheté une vingtaine d'euros, alors que généralement j'ai vu les prix c'est 30-40 euros. J'aurais pas mis non plus ce prix-là. Mais c'est vrai que c'est un film que j'aime beaucoup, qui est excellent. J'avais en DVD, je l'ai vu qu'une fois. Et c'est une suite d'un film que j'adore. Et puis bah, celui-là, la suite, j'ai quasiment autant aimé que le premier, voire plus. Donc vraiment, j'ai adoré. C'est le Short Circuit 2. Film, bah, j'avais déjà vu le 1, le 1 que j'ai en Blu-ray également. Le premier, c'est un film de mon enfance, qui est vraiment très bon. C'est l'histoire, en fait, d'un robot qui était construit pour, en fait, être une arme. À la base, c'était pour être une arme. Et il y a eu un dysfonctionnement dans ses circuits imprimés. Et en fait, il a appris à parler, à avoir des sentiments, etc. Et c'est un robot, là, qui est très, attachant. Donc, il s'appelle Johnny 5, parce que c'est le cinquième de sa série, on va dire, de robots. Et, voilà, c'est le chat derrière. C'est donc un film que j'ai beaucoup aimé le premier, et puis le deuxième, je l'avais acheté en DVD, et bah, j'ai trouvé aussi bon, voire meilleur que le premier, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu me déranges? Donc, voilà, vraiment, c'est un film que je vous conseille. Et donc là, c'est un import USA. Alors, j'ai pas encore vérifié si c'est vraiment la bonne VF et tout, mais déjà, c'est une zone, c'est un Blu-ray non zoné. Et c'est quand même indiqué derrière, français, entre parenthèses, PAR, donc parisien. Donc a priori, à moins de vraiment pas avoir de Paul, mais a priori c'est la bonne VF qui est sur le Blu-ray. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le film, regardez-le. Après bon, n'achetez pas non plus le Blu-ray direct. Mais le DVD est pas trop courant non plus. Hein. Mais si vous avez l'occasion, bah, regardez le premier puis le deuxième. Hein, vraiment, c'est deux très bons films. Comédie, assez touchant. Le robot est assez touchant tout de même. Donc vraiment, je vous conseille ce film-là, les deux films. Nous passons ensuite, ça c'est eBay, c'est eBay, c'est eBay. J'ai acheté l'autre, c'était Rakuten. Donc là, c'est eBay. Un autre film import. Alors là, par contre, c'est un film. Alors le DVD, d'ailleurs, je l'ai mis là, je l'ai récupéré. Parce que je faisais quelques recherches sur mes DVD pour voir ce qu'il y avait potentiellement en dispo en Blu-ray import avec VF. Et j'ai vu que celui-là était disponible en import avec VF. Donc c'est un import espagnol qui est sorti en plus cette année, je crois. 2024, c'est pas indiqué, mais je crois que j'avais vu qu'il est sorti cette année ou l'année dernière, donc c'est très récent cette sortie Blu-ray. Je l'ai acheté une petite vingtaine d'euros, pareil. Donc le film j'avais déjà vu il y a très longtemps, j'ai pas trop de souvenirs. Mais bon, je me suis dit tiens, je vais le prendre. C'est une édition limitée du film. L'affiche déjà elle est très belle. Avec le chat. C'est un fourreau. Alors c'est Garaz Assassinas, Assassinas, ah, c'est un I, ouais, je pense. Garaz Assassinas, ou en anglais c'est Killer Cats, et en français, parce que j'ai encore le DVD, donc je pense pas que je vais garder, mais enfin bref, là, je l'ai encore, donc je vais vous le présenter. Donc en français c'est le film Cats, les tueurs d'hommes. Ils ont la vie, on en avait qu'une. Bon, c'est un petit film, hein, je vous préviens tout de suite, c'est un petit film avec des chats qui sont tueurs. Voilà, un petit film série B, voire série Z. Et je me souviens, je l'avais vu à l'époque, ce film-là, je l'ai vu qu'une fois, il y a plusieurs années, et j'avais plutôt bien aimé. Alors, c'est vrai qu'un film avec des chats qui tuent des gens,
Autant dire que c'est très rare, et le film, même s'il y a, c'est un vieux film, hein, voilà, c'est un film complètement amateur, mais moi j'ai bien aimé, voilà, le fait que ce soit des chats et tueurs et tout, moi j'avais bien aimé à l'époque. Alors, je ne l'ai pas revu depuis, alors ça se trouve, j'ai pas du tout aimé si je le revois, mais bon, j'ai quand même acheté le Blu-ray, je le reverrai du coup en Blu-ray ce film. Et du coup, derrière, je montre l'arrière, donc le fourreau. Alors, quand je l'ai acheté, il était arrivé avec un plastique qui protège. Le film est toujours neuf. Et donc derrière, il y a de l'anglais, espagnol, italien, français, portugais. Donc c'est un exemplaire qui est limité d'ailleurs à 500 exemplaires, hein, chez le numéro 176. Et bah, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, c'est marqué derrière que c'est interdit au moins de 18 ans. D'ailleurs, ça me paraît un peu exagéré. Alors derrière le DVD, il n'y a rien d'indiqué, donc je ne sais pas. Mais dans mes souvenirs, c'était pas violent ni quoi. Hein, Bah, je reverrai, parce que peut-être mes souvenirs sont altérés avec le temps, mais vous voyez, il y a marqué moins de 18 ans derrière la boîte, derrière le fourreau, donc ça paraît un petit peu exagéré tout de même, hein, mais bon. Je verrai ça, d'ailleurs, je vérifierai d'abord si c'est bien la bonne VF, ou même VF, ou le DVD, mais je pense que c'est le cas. Donc, le film Caras Assassinas, Killer Cat ou Cats, les tueurs d'hommes. Donc, voilà. Enfin, je pense pas que ça intéresse beaucoup de personnes, hein, mais si vous avez vu ce film, si vous l'avez aimé, bah, vous pouvez le trouver dans cette édition. En français. Passons maintenant à Vinted. Alors j'ai commencé par ce film. Excellent film d'ailleurs, j'ai fait une vidéo short dessus. Le Seven Sisters. Alors je vous montre le steelbook Blu-ray que j'avais déjà. Hein. J'avais déjà ce steelbook Blu-ray, je l'avais acheté à Noz il y a plusieurs années. Et en fait j'ai acheté le 4K, le Blu-ray standard 4K, qui était neuf. J'ai acheté un peu moins de 10 euros, c'était vraiment pas cher, c'est moins cher que j'ai eu. Donc avec les ports, j'ai dû l'avoir pour 8-9 euros. Et bah, tout simplement, j'ai mis mon Blu-ray 4K, le disque 4K, dans le Steelbook. Et du coup, ça devient un Blu-ray 4K Steelbook, tout simplement. Donc voilà, je vous remonte le film. Vraiment, je l'avais fait une vidéo short dessus. Et bah, j'ai beaucoup aimé le film, hein, vraiment. Alors, je sais plus le nom de l'actrice, je l'ai perdu. Je sais qu'il y a Willem Dafoe dedans qui joue le grand-père des filles. En fait, c'est l'histoire de sept filles jumelles. L'actrice, c'est. Ah, je sais plus son nom. Je ne sais plus son nom, mais très bonne actrice, hein, franchement. En fait, c'est une actrice qui joue sept personnages différents, donc sept jumelles, qui vont devoir vivre cachées, en fait, dans un futur, entre guillemets, voilà, un futur assez dystopique, où, en fait, dans ce futur-là, les parents ont le droit d'avoir qu'un seul enfant. Et on voit au début du film, il y a une mère de famille qui accouche, hein, qui, voilà. Et en fait avoir cette jumelle. Et elle va mourir en fait durant l'accouchement. Et donc c'est leur grand-père, donc Willem Dafoe, qui va s'en occuper d'elle. Et évidemment, bah, vu que voilà, c'est un seul enfant, voilà, si vous avez plus d'enfants, plus que un, bah, bah, les enfants sont capturés, en fait, sont capturés par la police de cet endroit. Donc voilà. Donc ça, il les cache. Et en fait, il y a sept filles, donc ça fait 7 jours dans la semaine. Donc elles s'appellent tous lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est ça, c'est leur prénom. D'ailleurs, en anglais, le film c'est What's Happened to Monday. Donc qu'est-ce qui est arrivé à lundi? Parce qu'au début du film, du coup, il y a lundi, l'un des personnages qui disparaît. Et du coup, ces six sœurs vont essayer de la trouver. Peut-être Omega. Du coup, il y a ces six sœurs qui vont essayer de la trouver. Et voilà, vraiment, c'est un très bon film. Et j'étais assez impressionné parce que du coup, c'est une seule actrice qui joue les sept personnages. Ils ont tous une personnalité un peu voilà, différente, hein, une tenue, etc. différente. Et on les voit souvent tous en même temps, ou plusieurs en même temps, dans la même image. Et c'est vraiment bien fait, hein, leur interaction en fait ensemble, alors que c'est qu'une seule et même personne. Vraiment, j'étais assez impressionné en fait. Mais l'actrice, je sais plus son nom, donc ça va pas me revenir, donc c'est pas grave. Mais vraiment, voilà, Seven Sisters, j'avais beaucoup aimé. Je crois que j'ai mis un 4,5 sur 5 à ce film. Vraiment, regardez-le. Si vous avez l'occasion, pareil, à voir. Donc j'ai vu que je l'avais vu en Blu-ray, je l'ai pas vu en 4K, donc en 4K, je le reverrai plus tard, si un jour j'ai envie de le revoir, mais je pense qu'il va être de bonne qualité. Après, un duo pack de films, d'ailleurs, vous les voyez, les noms. Avec La Chute et la Vague, que j'ai acheté une dizaine d'euros sur Vinted. Donc, pareil, pas trop cher parce que généralement ce petit duo pack, voilà, c'est une vingtaine d'euros à peu près, une vingtaine, trentaine d'euros. Parce que le film La Chute, il n'est pas courant en Blu-ray à l'unité. Il vaut assez cher. La Vague, ça va, mais La Chute, ouais, il est un peu pas courant.
Donc là, j'ai trouvé le duopack, donc je suis bien content. D'ailleurs, j'ai un peu peur que ça soit. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? Donc j'avais un peu peur que ça soit un Blu-ray défectueux. Parce que je crois que le film La Chute va s'éditer par TF1. Mais j'avais regardé, c'est pas du KOL, hein, c'est un Blu-ray qui a été édité entre guillemets récemment. Donc les disques ne sont pas défectueux, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un disque pour chaque film. Et donc de quoi ça parle? Ces films-là, j'en ai vu qu'un sur deux, j'ai vu que La Chute. Donc vous voyez le personnage, hein, bon, c'est le chancelier allemand, je vais pas dire son nom parce que voilà, YouTube. Voilà, donc le chancelier allemand d'une certaine époque, donc c'est son histoire jusqu'à sa chute, en fait simplement jusqu'à sa fin de vie. Donc j'avais vu sur le Amazon Prime, je crois, La Chute. Et j'avais bien aimé, vraiment très bonne histoire, bah, histoire vraie, hein, je sais pas, vous connaissez l'histoire, mais très intéressant à suivre. Et j'ai trouvé très bon et j'ai voulu en fait l'acheter en Blu-ray. Et quand j'ai vu les prix du film en Blu-ray, ouais, j'ai dit ouais, je prendrai l'occasion quand je serai pas trop cher. Puis en plus c'était du TF1 vidéo, je me suis dit, alors si ça se trouve en plus c'est potentiellement défectueux. Oui, bon, j'étais un peu refroidi. Et après, j'ai vu qu'il y avait ce duopack qui existait, donc édité par Back Film, la Back Vidéo. Ouais, c'est Back Vidéo. Donc, voilà, lui, il n'y a pas de problème de défectuosité, donc, normalement. Donc, voilà, c'est mieux. Donc, La Chute, je vous le conseille. Voilà, très bon film. Et la prestation des acteurs, rien à dire. Et donc La Vague, je ne l'ai pas vu celui-là par contre, et en fait c'est, je vais vous lire le synopsis hein, parce que ce sera plus simple, ce sera plus clair, plus concis. Donc c'est aussi en Allemagne, donc à notre époque. Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature dont les conséquences vont s'avérer tragiques. Donc on sent un prof qui va du coup reproduire en fait un peu une dictature, voilà, un régime totalitaire. Mila, je fais ma vidéo. Tranquille. Donc voilà, c'est un prof qui va faire une sorte d'atelier, comme quoi ça va être un régime totalitaire et ça peut partir en cacahuète. Donc La Vague, ça a l'air très intéressant aussi. Donc en fait, les deux films sont liés, hein, entre guillemets. Il y a un peu un lien entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il y a ce duopack qui existe. Mais vraiment, hâte du coup de voir La Chute, La Vague. La Chute, j'ai vu, La Vague, non, pas encore. Ensuite, il y a l'achat sur le site Le Chat qui Fume. Alors, Le Chat qui Fume, c'est un éditeur de films en DVD Blu-ray, hein, comme ESC. Donc, ils ont leur propre site. Et j'avais déjà commandé sur leur site. J'ai peut-être dû faire 2-3 commandes, mais c'était il y a un petit moment. Hein. C'était peut-être 2 ans maintenant. J'avais pas refait de commande depuis. Et en fait, il y avait le youtubeur Alex Movie Collection. Hein, je fais une petite dédicace à toi. Et elle a fait une vidéo achat sur cet achat sur Le Chat qui Fume et elle avait présenté un film. Bah, je savais qu'il était sorti en Blu-ray, mais je sais plus chez qui. J'avais vu passer l'info sur Facebook, mais je savais plus qui avait édité ce film et je l'avais pas retrouvé. J'avais un petit peu oublié. Et donc là, quand il avait montré le film, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ce film était sorti en, bah, il avait ressorti en Blu-ray. Et puis donc c'était Le Chat qui Fume. Du coup, j'ai trouvé mon info. Et du coup, bah, j'étais sur le site de ce chat qui filme, et puis j'ai acheté en fait le film et 2 autres en plus, comme ça, voilà. À l'occasion, voilà, j'ai acheté 2 films en plus, tout simplement. 2 films que je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc j'avais fait une vidéo short sur ces achats-là, ce qui a plutôt bien marché d'ailleurs. Et bah, je voulais remonter en vidéo, comme ça je pourrais montrer un peu plus tranquillement, parce que c'est vrai que les vidéos short, 1 minute, faut aller très très vite. Du coup. Alors je sais plus le total, hein, mais bon, ça m'a coûté je crois 50 € les 3 films avec les frais de port. Parce que ça c'était 10, ça doit être 15, et le film là c'était 20, 25, je sais plus. Donc hein, voilà, à peu près 40-50 €. Donc pour ce achat groupé. Donc tout d'abord, j'avais acheté le film que je connais pas du tout, The Video Dead de Robert Scott, écrit, produit et réalisé par Robert Scott. L'affiche à claque, hein. Franchement, ça m'a donné envie d'acheter le film. Hein. Je vous montre vite fait l'arrière. C'est vraiment très sympa. J'aime bien les éditions du Chat qui Fume. Elles sont assez stylées. Et bah, je connais pas trop le film. Hein, donc, c'est un film d'horreur, série B, série Z peut-être. Dans la longue liste des films de zombies tournés après le succès de La Nuit des Morts-Vivants, ce Video Dead s'est détaché du lot en faisant du mort-vivant un être pensant, ce fleuron du cinéma bis, jadis édité en France en VHS et enfin disponible dans une version restaurée en haute définition.
Donc bon, on verra, hein. On verra si j'aime ou pas. Ce sera la surprise. J'ai pris également Vigilante de William Lustig, donc le réalisateur du film Maniac, l'original des années 80, je crois, que j'avais regardé, que j'avais plutôt apprécié. Hein. C'était assez violent comme film, hein, le film Maniac. Vraiment assez malsain aussi, surtout. Donc la Vigilante, apparemment, c'est sur l'histoire d'un gang qui, pareil, font des choses pas très catholiques, on va dire. Donc, bah, à voir. Bon, apparemment, le film est pas mal du tout, hein, donc on verra ce que ça donne. Hein. Pas la plus belle petite édition. Et le dernier, qui, bah, c'était le film qui m'intéressait. Vraiment, bah, je suis surpris qu'il ressorte en Blu-ray, parce que c'est un film que je l'avais vu en DVD, et j'avais bien aimé le film. C'est vrai que c'est un film qui est assez particulier, que ce soit dans les effets spéciaux, que ce soit dans l'histoire, le jeu d'acteur. Il y avait certaines scènes vraiment étranges. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là-dedans? Au final, ouais, c'est un film que j'ai bien aimé, voilà, sans plus non plus, mais vraiment, c'est un film particulier que je me souviens encore du film, alors que ça fait plusieurs années que j'ai pas revu. Surtout certaines scènes que je me souviens assez bien. Et bah voilà, je suis content qu'il soit sorti en Blu-ray, que je le revoie. C'est X-Tro. X-Tro, film sur un alien qui va débarquer sur Terre. Donc je vous montre que l'avant du fourreau, donc c'est un taille DVD par contre. C'est un peu dommage, mais c'est quand même une belle édition. Puis j'en ai d'autres comme ça du Chucky Film. Mais je ne vous montre pas l'arrière, bah juste voilà. Je ne vous montre pas ce qu'il y a derrière ma main, parce qu'en fait, il y a une femme à poil, tout simplement. Donc on va éviter de montrer ça sur YouTube, hein, parce que YouTube, voilà, c'est un petit peu interdit. Donc voilà, X-Tro, bah, je suis content du coup qu'il soit ressorti en Blu-ray, et puis bah, je le reverrai, ce film. Mais voilà, les effets spéciaux de la créature, vraiment, c'est très spécial, mais ça a son charme, franchement, ça a son charme. C'est un film qui a du charme, voilà, qui est très original. Vraiment, voilà, ça plaira pas tout le monde, mais moi, ça m'avait plutôt plu à l'époque. J'ai failli montrer l'arrière, attention. Donc, X-Tro, bah, c'est un film de qui? De Harry Broly Davenport. Je connais pas du tout. Et nous finissons avec Amazon France et Espagne. Ça faisait un moment que j'ai pas fait de commande sur des sites Amazon autres que la France. Il y avait une certaine époque, j'avais fait sur Amazon Allemagne, Espagne, Italie, je crois, pour acheter des imports avec VF, mais c'est longtemps que j'avais pas fait ça. Et puis là, du coup, j'en ai pris une commande avec deux films, donc ça m'a revenu peut-être une vingtaine d'euros, les deux. C'est pas des grands films, mais bon, je voulais les avoir du coup en Blu-ray. Tout d'abord, pour ma collection Jean-Claude Van Damme, le film Hard Corpse, donc avec Van Damme et Vivica Fox. C'est un petit film avec Van Damme, je l'ai trouvé plutôt moyen, mais bon, pour ma collection avec Van Damme, j'ai voulu l'avoir en Blu-ray. Alors, il n'est pas encore sorti en France, en Blu-ray. Peut-être qu'un jour ça arrivera, parce que c'est vrai que les films avec Van Damme ESC en sort assez régulièrement, entre guillemets. Donc peut-être qu'un jour il sortira en Blu-ray en France, mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, dans le doute, là je l'ai acheté en Espagne. Et du coup, c'est en français. Pareil, il y a de l'espagnol, italien, allemand, français, portugais, anglais, donc vraiment, vous avez vraiment le choix. Et alors là, pareil, c'est marqué interdit au moins de 18 ans, juste ici, là. C'est un peu bizarre parce que je suis sûr que c'est. Le film, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a peut-être 2-3 ans. Ça vaut pas, c'est moins de 18 ans. Hein. Je pense que c'est un petit souci au niveau de la signalétique. Parce que sur le DVD, ça doit être tout public, ou peut-être interdit au moins de 12 ans, au pire, mais pas 18 ans, ça c'est clair. Hein. Enfin bref, ça c'est pas grave. Donc Hard Corps, on s'en fout plutôt moyen, donc avec Van Damme qui est un garde du corps qui bah, du coup protège cette femme, qui je crois qu'elle est assez riche, un truc comme ça. Voilà, c'était moyen, mais voilà, avec Van Damme, moi j'ai plutôt bien apprécié. Et le deuxième, c'est, alors en espagnol, c'est El Enviado, ou en français, c'est God Send, film avec Robert De Niro, si je me trompe pas, c'est ça, Robert De Niro. Et donc c'est un couple. Donc l'affiche française d'ailleurs c'est ça. Hein. L'affiche française c'est la tête de ce gamin, l'affiche principale. Un film que j'avais en DVD aussi, que j'ai vu. Et donc c'est en fait c'est un couple qui, si je me souviens bien, c'est pareil, c'était un petit moment. Puis là je peux pas lire le synopsis, c'est en espagnol, je n'ai pas fait espagnol donc je ne peux pas comprendre. Mais si je me souviens bien l'histoire, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant et qui vont faire une expérience, un truc comme ça, pour en avoir un. Donc la femme va tomber enceinte et le gamin en fait il est un peu maléfique. Ça fait un peu penser d'ailleurs au film Damien la Malédiction, c'est à peu près le même genre. Le film j'avais bien aimé, hein. J'avais bien aimé, je crois que j'avais mis un 3,5 sur 5 à ce film.
Moi j'ai bien aimé, après les critiques que j'ai réalisées sur Internet sont pas terribles, mais moi j'avais bien apprécié ce film, un code de Send. Donc bah là je l'ai acheté en espagnol, donc pareil, hein, c'est français, allemand, anglais, italien, et ces deux films d'ailleurs sont sortis en 2024. Là il y a une date, c'est 2024, donc c'est vraiment sorti très récemment, et là par contre c'est interdit aux moins de 12 ans, donc là ça paraît un peu plus cohérent, et c'est non zoné. Et pareil, il n'est pas du tout sorti en Blu-ray en France. Peut-être qu'un jour il sortira aussi en France en Blu-ray, mais bon, du coup, je l'aurai déjà dans ma collection. Et nous n'avons pas encore fini. Une vidéo un petit peu longue, hein, comme ça. Ça fait du bien aussi. Avec Amazon France, donc avec que du 4K cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, certainement pas. Mais dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté des Blu-ray 4K et j'avais profité en fait de plusieurs offres, dont une offre c'était double Blu-ray 4K acheté égale 25 euros. Et il y avait dans les Blu-ray que je vous avais montré, il y avait un des deux Blu-ray qui faisait partie de l'offre, bah, que je n'avais pas encore reçu. Donc je vous avais montré qu'un seul. Et donc là je l'ai reçu ce film. Film qui devait apparemment, ce niveau de la livraison devait me parvenir en juin ou juillet. Alors évidemment c'était estimatif, et parce qu'en fait je l'ai reçu pas longtemps après. Au final, j'ai reçu en fin avril. Donc voilà, l'estimation de la livraison, c'était n'importe quoi, enfin bref. Du coup, je l'ai reçu, et donc ce film, c'est le film It, donc avec Al Pacino, Val Kilmer et Robert De Niro, encore une fois. On le retrouve, donc c'est la version définitive, telle que voulue par le réalisateur, donc en 4K. J'avais déjà le Blu-ray du film. Alors, le film, je n'ai pas encore regardé, mais bon, je pense que j'ai beaucoup aimé le film. Le film est très apprécié. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, j'ai acheté directement le 4K, puis je le verrai en 4K. Comme ça, voilà, on va pas s'embêter. Puis en version de Director's Cut définitive. Donc, voilà, vraiment dans la meilleure version possible. Donc, d'ailleurs, il y a trois Blu-ray dedans. Il y a 4K, le Blu-ray et les bonus. Je crois que c'est un film qui est assez long, je crois, d'ailleurs. Peut-être ouais, 2h50. Ouais, quasiment 3h ce film. Donc c'est un poil long, mais bon, si le film est très bon, c'est pas dérangeant. Donc It, hein, de Michael Mann, bah à voir dardard, hein, ce film. Apparemment il est excellent. Si vous l'avez vu, hein, bah, dites-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Le deuxième film, alors c'est un film que j'avais beaucoup aimé, bah, le premier, parce que ça c'est une suite, c'est Mort sur le Nil. Donc suite du film Meurtre sur l'Orient Express, ou Crime sur l'Orient Express. Meurtre ou crime, je crois que c'est Crime sur l'Orient Express, donc qui était réalisé par Kenneth Branagh, et joué par Kenneth Branagh, parce qu'il joue le personnage de Hercule Poirot. Et donc j'ai fait une vidéo short d'ailleurs sur le premier, j'avais beaucoup aimé le film, j'ai mis 4,5 sur 5, je crois, vraiment, je trouvais vraiment excellent. Donc voilà la suite du film, donc je pensais beaucoup apprécier également, donc film d'enquête, policier, j'aime bien ce genre de film avec voilà, quelqu'un qui va mourir avec toute une enquête. Là-dessus, qui l'a tué un peu comme du Cluedo en fait. Donc j'aime bien ce genre de film, donc je pense que j'ai beaucoup apprécié également. Donc Mort sur le Nil que j'ai acheté 15 euros je crois sur Amazon. Donc bah, j'espère apprécier autant que le premier film. Et toujours réalisé par Kenneth Branagh, puis joué par Kenneth Branagh avec Hercule Poirot. Et le dernier, qui m'a coûté le plus cher, et c'est quand même l'édition, je vais pas l'ouvrir, pas encore, mais je pense qu'elle est assez balèze. Voilà, disons que j'ai profité de promotion pour l'acheter, parce que je comptais pas l'acheter de suite, et voilà, elle était en promotion et tout, donc bah, je dis, allez, je vais la prendre. C'est l'édition ultime, qui pèse son poids, du film Host. Film Host. Film réalisé par Bong Joon-ho, si je le dis bien, pour la première fois, je le dis derrière, hein, pour la première fois au monde en 4K Ultra HD. Au monde, c'est une première française. Donc, voilà, édition Prestige Limitée, 3 disques plus storyboard complet, par le réalisateur, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est lui qui a fait le film Parasite, qui est sorti il y a quelques années, qui avait, je crois, remporté une palme d'or ou une récompense comme ça. Parasite que j'ai trouvé beaucoup, je crois que j'ai trouvé beaucoup, c'est vrai à dire, que j'ai beaucoup aimé tout simplement. Et donc là, il est en 4K Dolby Atmos plus Dolby Vision. Et donc c'est un film en fait de créatures avec, c'est au Japon, hein, je pense au Japon, non c'est à Séoul, où il y a une créature marine en fait qui va bah, tuer des gens tout simplement. Moi j'ai vu en DVD le film et c'est vrai que j'ai bien apprécié.
Mais j'avoue que je m'attendais à mieux. Voilà, quand je l'ai vu en DVD, en fait, je m'attendais pas à ça. Parce que moi, je m'attendais juste à un film de monstre classique, voilà. Mais c'est vrai qu'à certains moments du film, c'est un peu du second degré, troisième degré, voilà, comme les Asiatiques aiment bien le faire. Et c'est vrai que moi, je m'attendais pas à ça. J'étais un petit peu sorti du film à ces moments-là. Mais voilà. En attendant, maintenant, je sais à quoi m'attendre. En le renvoyant, je pense que j'apprécierais du coup plus ce film. Après, le film était très bien, je trouvais, hein. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à mieux, franchement. Même si j'avais bien quand même apprécié le visionnage. Donc, The Host, alors du coup, voilà, pourquoi je voulais pas l'acheter de suite, hein, tout simplement parce qu'il coûte assez cher. Je crois que c'est 70 euros, non, 60 euros. 60 euros sur Amazon. 60 ou 70 euros, je sais plus. Et bah, là, récemment, il a baissé de prix. En fait, il était à 55 euros, un truc comme ça. Et j'avais un coupon où, si mon achat dépassait 50 euros, il y avait 10 euros en moins sur l'achat. Donc, en fait, il était à 55 euros, on va dire. Et donc, avec le coupon de 10 euros, ça m'est revenu à 45 euros, un truc comme ça. Ce qui était comme un peu plus raisonnable que les 60, 70 euros. Ouais, je crois que c'est 70 euros, hein, de base. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je pense pas que je trouverais moins cher. Peut-être un jour que si, mais bon, je suis pas Madame Soleil, donc je ne peux pas savoir. Mais je ne pense pas qu'il baissera de prix de sitôt, on va dire, moins que ça. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment, je vais le prendre. Puis de toute façon, je voulais l'avoir un jour ou l'autre, donc bah, là, c'est fait. Et d'ailleurs, donc dedans, il y a donc le film en 4K, il y a une illustration, un storyboard complet de 334 pages, un packaging déception sans plastique et un visuel panoramique. Et le meilleur, un chef-d'œuvre par le réalisateur de Parasite, Memories of Murder, Mother, Snowpiercer et Okja. C'est vrai que Snowpiercer, ouais, c'est vrai que c'est lui qui l'a fait. Snowpiercer, j'avais bien aimé aussi. Ouais, Parasite, j'ai adoré et Snowpiercer, j'avais trouvé très bon. Donc ouais, c'est vrai que c'est un réalisateur qui a vraiment fait de très bons films. Hein. Là, il y a pas à douter, hein, là-dessus. Le reste, j'ai pas vu. Donc voilà. The Host. Donc, vraiment très belle édition. Alors, j'espère que le Master 4K sera très bon. Mais là, là-dessus, je ne peux pas vous le confirmer. Tac. Donc, voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo, qui va être un peu longue, on va dire. Mais bon. Voilà, quand je peux, hein, là, j'ai un peu de temps. Donc, c'est parti. Je vous présente bien les achats. Puis, voilà, je vous dis un peu ce que j'en pense. Quand j'ai vu, c'est un peu plus simple. Donc voilà, les petits achats sur Amazon France, Amazon Espagne, Vinted, Rakuten, eBay et le chat qui fume. Et bah, je vous souhaite à tous du coup un bon week-end, une bonne semaine et une bonne soirée, une bonne journée, un bon dimanche. Je sais pas quand on sortira, mais c'est soit le samedi, soit le dimanche. Dans l'un ou l'autre des cas, ça marchera. Qu'est-ce que tu fais, Mila? Elle est juste à côté. Donc allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vais m'occuper de Mina juste après parce que là elle est impatiente là. Allez, hop, vous la voyez pas, mais si vous la voyez un petit peu. Voilà, maintenant elle est posée. C'est comme ça. Donc allez, on va finir de vidéo là-dessus. Je dis n'importe quoi. Donc à bientôt. Tout seul, tout simplement. Salut, à la prochaine.